Monster Kill. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule mission à faire, l'espionnage industriel, la mission principale. Trouver les notes secrètes de Kamiko et rapporte-les à Mamushi Eika. On y va, on se téléporte. Wouah ! Et c'est parti, on va défoncer un petit peu des monstres et des robots, j'en doute. Hein. Je pense que ce sera plutôt des robots, bizarrement, je ne sais pas. Quoique, je sais pas. On verra bien. De toute façon, ça revient au même. Ça fait des piles de déchets à la fin. Voilà, faut le dire. Ok, bon. Moi, j'adore ce jeu, chers amis. Je sais pas vous. Hein. Je sais qu'elle n'est pas extrêmement suivie. Je sais que le jeu n'est pas forcément extrêmement connu pour autant non plus. Pourtant, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est vraiment fun. Hein. Moi, je m'éclate à jouer à ce jeu et j'éclate des gens aussi. C'est la fête. Donc voilà. En petit détail, chers amis, par rapport à la vidéo en elle-même, j'ai rajouté une petite ombre portée, entre guillemets, sous la cam, ce qui donne un rajout qui fait une impression que la cam est posée par dessus. Je trouve ça peut-être un petit peu plus professionnel qu'une simple un simple écran map. Ok, oh c'est joli. Ouh, t'excites pas. Oula, nous avons moult choses dans le coin. Un gâteau chinois. Alors on a une nouvelle cinématique aussi. Ma vie est beaucoup plus agréable depuis que je suis. Wow, depuis que je suis obligé de ne plus la prendre au sérieux. Hunter S. Thompson. Ok, be careful up here. Real Lady might be a jerk, but she was right about Zilla having this place staked out. Yes, he is very thorough. Oh, that's right. You're an ex-employee as well. Yeah, but I was less a scientist than a persuader. A thug, you mean? Attitude adjustment specialist. So what went wrong with Zilla? Ouh, y'a un gros. The usual. I was looking for more personal growth in my job. He was trying to take over the world. He was just going in different directions. Are you saying there are depths you won't stoop to? Exactly, yes. But so far, they've all been... Très théorique, mais tu m'étonnes. Ah, ah oui, d'accord, ils l'ont remis. C'est quoi ce truc? You feel lucky, prick? Foiré dans... Immunité contre les pouvoirs, tu m'étonnes. Joli. Putain, il m'a anticipé. Oh la vache. C'est quoi ça aussi? Oh joli. Vous avez de jolies fesses pour une machine. Ok. On prend extrêmement cher. Aucune limite à mon pouvoir. Et vous allez vous calmer, arrêtez de popper! Ah toi tu me saoules aussi avec ta... Ta comment, ta SMG là? Bon, recharge. Ok, y'a quoi par là? Y'a un trésor. Merci pour les munitions. Ah merde. Comment tu me parles toi? Tu me traites de bâtard! Ça va pas! Bon. On a de l'argent. On a un boss. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ok. Si on visait les jointures pour voir si ça marche. Aïe, ça fait mal ça. Putain, ça a l'air de marcher. Alors j'ai récupéré ma mana, on va en profiter. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Mais bouge. Je l'ai eu? Ah non, d'accord. Par contre, elles sont pas. Ah bah si, elles ont l'air immunisées aussi. Non. Ce qui est une bonne nouvelle. Je les vois pas, il y a tellement de lumière dans le coin. Boum. Merci. Où elle est l'autre? Où elle est l'autre? Boum, il y en a encore une. Non? Non, c'est bon. Ok. Aucune limite à mon pouvoir. Je pompe petit à petit ses PV, mais c'est pas épique, hein. Ok, il m'a fait drôlement mal là. Il se fout de ma gueule!
Tu vas le perdre ton bras. Bien, t'as mis me faire des dégâts à cause de l'explosion. Bon, ok. Wow. Tiens, perds ta jambe. Ok, boum. Wow, bonjour madame. Bocul. Elle s'appelle Bocul, putain. Reste au sol, Bocul. Et je confirme, c'est un Bocul. Ok, y a plein de choses. Cartouchière explosive, ça m'intéresse. Oh, oh, oh. Lance-roquette automatique. Je prends. Là, il y a des... Putain, il y a tellement de lumière, j'y vois que Pouic. La frontière entre le factuel et le fictif n'est pas définie, mais elle marque l'emplacement des bandes rivales de Taman, dont on a affronté pour la dernière fois. Robert Anton Wilton. D'accord. Ok. J'y vois que Pouic, je sais pas vous. Moi, j'y vois rien. Hop, là, c'est mieux. Ok, eh bah dis donc. On a trouvé un lance-croquette. La mousson. Temps de rechargement réduit de 100% pendant 10 secondes après avoir subi 10 de dégâts ou plus. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Vivacité sublime. Ah non, c'est pas ça. Culturisme. Rend le tir plus puissant. Le temps de chargement dépend de la cadence de tir. Dégâts max, rayon max. Intéressant. Tourelle. Transforme votre arme en tourelle autonome. Ah bah je suis désolé, mais là y a pas de raison de... Feu sublime, dégâts de feu plus 7%, et là pourquoi? Ah oui d'accord. Voilà, par contre il a plus qu'à 32% de DPS. Ah oui, dégâts moins 39%, pourcentage de tir raté plus 31. Je vais l'équiper quand même, je vais le mettre à la place du... De l'arc. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. D'accord, oui, c'est parce que je me trompe de bouton à chaque fois, non, c'est ça? C'était ça, ok. Et donc j'aimerais voir... Pourquoi il est passé en... Je me suis planté. La mousson, voilà. Garder à portée de main, voilà, ici. Et donc, Ok, prendre. Il faut le récupérer à la fin ou il revient? On verra. Ah, tu verras, la vie c'est fait comme ça, tu verras. Je sais, j'achante souvent, chers amis. Je sais. Ah, apparemment, il y a des machines qui m'ont repéré. Les coffres, allons-y. Crac. L'argent, je prends. Un escalier par là, non? Moyen de monter plus haut, peut-être? Ah. Exactement ce que je veux. Alors, moi, je serais bien monté encore plus haut, mais... Oula. J'ai disparu. Very, very quiet. I'm hunting. Boom. Waouh. Qu'est-ce que je suis complètement immobile. Allez, vas-y, tire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je crois qu'elle est en train de recharger. Me tire pas dessus. Hop. Vous croyez qu'elle me tire dessus? Hop. Merde, mon arme a disparu. Oh, c'est rigolo d'avoir un... D'avoir une tourelle finalement. Oula. Bonjour. Ok. Bon bah une fois de plus le jeu m'étonne hein.
c'est pas grave. Plus de place en énergie. Un petit coffre. Pour lequel je n'ai pas de place non plus. Une poubelle. Je pensais pas que la poubelle exploserait, pardon. Par contre, oui, il va me falloir une map là. Hop, c'est par là que j'aimerais aller moi. Hop. Crac. Je descends encore un peu pour avoir le coffre. Crac. Et j'étais déjà full. Ok, par contre j'ai oublié un coffre du coup. Oh, t'es sérieux? Wang, t'es sérieux? Oh putain. Non, il voudra pas, hein. Question, si je monte sur le rebord. Oui, il veut. Oh, j'ai encore bien un truc. Et là, j'ai plus de rebord. Hop. Bon, j'ai réussi à grimper sur un endroit sympathique. Ouh. C'est une voiture, hein, c'est quoi? On dirait plus un aspirateur, hein. Mais ce n'est pas grave. Ok, bah on va là. Hop. Il y a un coffre que j'avais oublié. Tu m'as déjà pris le point? D'accord, ok, tu m'as déjà pris le point. Le coffre, ici. Crac. Ok. Je vois pas des masses d'ennemis, hein. Attends, la musique s'excite. Ce qui est souvent bon signe. J'ai envie d'essayer d'aller atteindre le truc là-bas. Ouais. On a la classe des ennemis. On va le laisser recharger quand même. Par principe. Ce qui me fait chier, c'est que du coup, j'ai pas récupéré mes. Vous êtes pas plus excité que ça? Ah bah si. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait un tir critique là ou quoi? Pour que tout ait explosé comme ça? Ah, ils m'ont vu. Là, je vous attends les filles, on va rigoler. Voilà, il en a tient un deuxième. Ouais, il y en a un deuxième, un troisième pardon. Il est con. Wow, dégage. Dégage! Je voulais voir si je pouvais le pousser en dehors, mais. Apparemment, ce n'était pas le cas. C'est tout ce que vous aviez dans le pantalon? Oh là, hop. Ok. Par contre, cet endroit-là est vide. Là, je veux pas dire cet endroit est vide. Dégage! Oh, il a pas aimé. Boum, lui non plus. Putain, les commandes. Tu me saoules! Il y en a encore un. Oh! Putain, l'esquive, le sac. Vas-y, viens, j'attends. Raté! Raté! Ah, je voulais couper les jambes. J'arrive pas à couper les jambes. Ok, c'est bon. Pas de coffre, pas de trésor. C'est pas le bruit d'un trésor, ça? Merde, faut que j'arrive à me hisser là-haut. Ah bah, il veut pas. Il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Ok, la suite. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de coffres. Pour... Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Ils sont plus ou moins partout, ces symboles-là. Sur chacune des maps, il y en a. Et je pense que ça veut dire quelque chose.
qu'il y aurait un coffre là-dedans. Je sais pas. De toute façon, pour l'atteindre, c'est coton. Wow. Putain, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire qu'il y a un... Oh, la gueule. Ah bah, dis donc, on n'est pas dans la merde. Ça veut dire qu'il y a un... Comment, un secret à trouver quelque part. Oh, oui. Oh, oui. Oh, il y a quelqu'un... C'est un boss ? Sabreur de Zila, non. C'est pas un boss. Ok, allons-y. Merde, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Fais chier. Eh merde. Fais chier. Fais chier. Faudrait que j'ai réussi ça. Ok. Bah, c'est autre chose. Merde, raté. 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 Ah, voilà, faut que j'aille plus vite. Ok. Oh, raté. T'es mort. Putain, il me... Vous me faites chier, vous. Cha-cha, doesn't sound like good news for you. J'aime bien quand il cause, mais... Le problème c'est que j'ai l'impression d'en avoir partout là pour le coup. Ou alors c'est des explosifs, c'est des explosifs. Calme-toi. Ah, j'ai vraiment du mal avec les FPS à la manette. Hein. Je veux pas dire. Hein. Boum, t'apprendras. Allez, vise la tête Marcus, vise la tête. C'était pas vraiment la tête, hein. Bon, vous me saoulez. T'es pas mort, toi? Voilà. Oh, trop chaud. Résistance à la glace. Ça tombe bien, c'est pas ce que j'utilise. Putain, mais tu me saoules, toi aussi. Toi. Hop. Raté. C'est mauvais. Ok. Là je commence à m'inquiéter parce que j'ai vraiment des... Ah, j'ai des mails aussi. J'ai vraiment pas beaucoup de PV. Donc on va reprendre le sabre. On va jouer sérieusement. Hop. Ninja. Hop. Restez quelqu'un. Hop. Merci pour la santé. Et là-bas, il y a... Enfin, là, il y a encore de la santé d'ailleurs. Ok, et là-bas, il y a un truc. Ok, bah c'était plus compliqué que prévu finalement, chers amis. Hein. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Ouf, bien sûr. Où est-ce qu'il est? Il me saoule lui. Voilà. Hop, ok, c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, le jeu est extrêmement dur, hein, qui plus est. Je sais pas si ça me sert à quelque chose d'être par là. On va tenter un truc. Oh la vache. Oh la vache. Il y va tout doucement. Hein. Allez, venez. Allez. Bien. Hop là. Merde. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Il est temps qu'on la ressorte la tronçonneuse, hein. Franchement moi je trouve qu'il était temps. On va essayer de l'améliorer un petit peu au passage. Parce qu'elle est pas du tout améliorée. Et ça m'embête. C'est pas la bonne touche Marcus. Voilà, c'est ici. Foudroiement. Feu, non, flamme, non.
siphonnage de PV, ça peut être intéressant. Dégâts. J'ai plus grand chose en truc ultime en fait. Vitesse de déplacement. Ah bah si, voilà. Pourquoi tu me les montres? Ah bah d'accord, bizarre. Changer l'ordre de tri. Compatibilité. Non d'accord. Ok, bon, on va mettre ça comme ça. Ok, dégâts moins 12, ça m'intéresse pas. Dégâts aux petits ennemis, non. Qui après avoir tué un ennemi, ça peut être intéressant. Bonne idée. Vitesse de déplacement, moins, non, c'est pas intéressant là. Siphonnage de PV. Probabilité d'économie de mission, ça m'intéresse pas. Vitesse de déplacement, plus 3,7. Dégâts plus 6, 6. On va partir là-dessus. Voilà. Et ici, plutôt, on va partir sur un truc. Genre. Genre. Vitesse de déplacement. Voilà. Et quand je la déplace, je suis encore plus rapide. Ça, c'est pas la fête. Ok, bon, bah, on y va. Calmer toi. Y a pas de dragon décrit quelque part apparemment. Donc jusque là, wow, je croyais qu'il y avait un trou. Oui, il y a un trou mais ici, d'accord, ok. Ok, on y va. Tiens, regardez. Là, il y a encore des symboles. Bombe, bombe. Donc soit c'est une mission sur laquelle il faudra mettre. Y'a un truc. Y'a un truc, chers amis, ici. Y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc. Je sais pas quoi, cela dit. Parce que c'est juste en face du truc, donc... Je sais pas. J'aimerais être là-haut pour pouvoir regarder vite fait. Vite fait. Ok. Et donc, c'était par où? Ah oui, c'était justement là. Est-ce que je peux pas? Justement. Non, je peux pas atteindre celui-là en tout cas. Je peux pas grimper là. Oh, bonjour! Je pourrais être déjà venu ici. Boum. Va te calmer, toi! Hop! Viens voir papa. Ah merde. Ah mais... Me pénètre pas. Ok. Et où est-ce que... Mais putain. J'ai mis un truc de vitesse, tu peux... Laissez ça au moins. Hop, c'est... Ah. C'est solide celui-là, dis donc. Ok. Là. C'est du classique. Et là, j'ai un bouquin. Ok, la fin des temps. Moi, ok. Ok. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose. Hein. C'est quand même pas des coffres là-bas. Oh putain. Ah, c'est rigolo, je peux pas les casser ceux-là. Et donc rien du tout. Même c'est que j'ai comme qui dirait l'impression. Moi je serais un développeur de jeux vidéo, je mettrais un truc là-bas. Enfin bon. Ça m'énerve.
Je choisis de ne pas aller voir, chers amis. On en est où dans l'épisode d'ailleurs? 25 minutes. Oula. Crac. 25 minutes. Donc on va rejoindre la porte, chers amis, ça y est. On va avancer dans l'histoire finalement. Merci. Oula, on a plus beaucoup de balles de ce flingue. Oula! Quelle horreur! Ok, bon. Ouais, on va devoir changer d'arme, hein, chers amis. Là, c'est malheureux, mais on en est là. Ok. Donc, on va suivre la flèche quand même. La flèche qui m'a dit qu'il faut que je monte, hein, c'est rigolo. Non? Faut savoir. Oh. Ok. Récupération de santé. Ok. Ok, ça je capte. Ok. Hop. Et j'allais dire que nous y sommes, malheureusement. Un petit peu trop le cas. Vulnérabilité électricité, ça tombe bien. Où est-ce que t'es? Résistance électricité, merde. Ok, c'est bon? Vous êtes calmé? Parfait. Bon. Nous ce qu'on va faire chers amis c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, en tout cas n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, hein, vous connaissez le principe. Rejoindre le groupe Steam si vous souhaitez de toute façon jouer avec d'autres gens à différents jeux. Quant à moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, salut les gens.